Salut à tous, c'est la Flinga. Aujourd'hui, on se retrouve sur Mad Max encore une fois. Là, on va faire deux missions. Une de l'histoire, on va modifier le véhicule avant. Ça veut faire une mission, on va attaquer un grand phare. Du coup, d'abord, je voulais vous attaquer sur l'affaire qu'on a. On avait montré sa carte. De base, je voulais piller. Youhou, par contre. Youhou. Cette affaire-là, là. Ici, là, l'oiseau de rouille. Mais, en mode. On va modifier la caisse et on va s'aller sur. La forteresse de Gawash. Pour détruire des réserves d'eau, élevage d'atticots, l'armurerie, les puits de pétrole, les nettoyeurs, les ferrailleurs, les réserves et les éclaireurs et les chiens. Chien de Boggy, ça c'est notre chien. Du coup, on va faire ça, on va faire une des premières forteresses. Ensuite, je pense, si je me trompe pas, comment on fait pour dézoomer? Ensuite, il y a une forteresse ici, sinon je pense qu'il y en a une autre, je vais zoomer par contre. Il n'est pas là. Attends, on va zoomer quand même, parce que des fois... Sinon, je sais qu'il y a une forteresse ici. Et ensuite, il faudra attaquer à la forteresse là. Et Petroville après, mais... On va faire la première forteresse. Du mode histoire, on va faire cette forteresse là. Je sais pas si je vais faire beaucoup de coupures parce que je me suis jamais attaqué. On va modifier la caisse et une fois modifié, je vais vous montrer à quoi ressemble la caisse. Je vais vous la montrer là présentement. Je vais la remodifier parce que j'aime mieux ma caisse déjà demain. Mais pour le moment, on va faire les modifications requises et ensuite. On va attaquer une forteresse et ensuite si on va attaquer l'autre qui est bon, je ne sais jamais où elle est, qui est là-bas, cette forteresse là, et ensuite on verra selon la durée de la vidéo. Je pense qu'on va faire deux forteresses, peut-être on va fouiller on va explorer la zone. Je pense qu'on va ensuite première chose, je vais faire ça, la forteresse. Ensuite on va faire la montgolfière ici pour la ferraille et pour déverrouiller la zone. Après ça, je ferai les autres montgolfières hors vidéo parce que pour déverrouiller la map. Parce que à date, on a juste cette map là que vous voyez déverrouiller. Après ça, faut découvrir la map là. Et ouais, aussi. Du coup, on y va. Je vais vous montrer comment est ma caisse présentement. Ça, c'est ma caisse présentement. Je vais vous montrer après comment elle va ressembler après. Regardez bien l'image. C'est ça. Du coup, on commence. On est de retour. Et voici à quoi ressemble notre voiture. Ah, je savais pas, on pouvait tourner. Ça n'a pas trop changé. Le devant est pareil. Le derrière de mon sort est pareil. Jusqu'à un peu changé. Du coup, on va aller dans cette zone. On va faire ça. On découvre une montgolfière de la zone. Et on se finit avec cette base à niveau des difficultés 2. Et on se terminera sur ça. Ouais. On va se terminer sur ça. Du coup, on attaque là-bas. Je m'y rends. On se retrouve après. On est près de la forteresse, les amis. Je commence à passer. Il nous explique. Notre ami réparateur nous explique. Ah ouais. Il dit qu'il est sans pitié et tout. Du coup, je sais pas si ça va être facile de l'attaquer. Oui, non, je sais pas. Mais... Je pense que oui, mais je pense que ça va être un peu compliqué, mais... Oh merde. It is. It's the little count of the carburetor. Oh, who could forget that whimpering and the devious suckling face? Oh, dead a dozen times if you do, boy.
We've come to deal. Nothing else. I got gas. So pitch me, little man, before I make a blood sport of your driver here. Oh, he's no ordinary driver. This one, no, he was sent to me by the angel combustion herself. Angel, we parlay with the water gods here. We desire to make way to the dead baron. My sanctum. My sanctum is destroyed. It's burned. Everything I have is gone. Gone. I have nothing left. Please. This car needs healing, she does, and strengthening. Yes, and if you let us stay here and rebuild, then I offer to you these. The hands of a Blackfinger. Yes. You'll have one chance for me. Oh, thanks. Thanks, B. Thanks, B. Yes. Keep your hands where I can see them. Keep the deviant Blackfinger leashed. Don't need any of his perversions on my ship. Forteresse de Clutch. Ah, finalement, faut pas le détruire, là. I need welding wire to do my work. Make do for now. I'll find you welding wire. Nouvelle bio. Récupérer le fil à souder. Okay, ouais. Bah finalement, on a une nouvelle... Attends, je vois si je me suis muté. Non. Finalement, on a une nouvelle forteresse. Je crois aussi voulait la détruire, mais on a une nouvelle forteresse qui nous rapproche proche de Petroville. Du coup, c'est bien fait. Du coup, faut faire des missions. Je comprends pas. On avait une forteresse avec l'autre. Là, on a une nouvelle forteresse qui nous rapproche de notre but. Ah, oh, c'est sûrement ça. Du coup, on faut rapporter des choses à la fois. Ah non, même pas. C'est les mêmes affaires. Je dois dire, faut rapporter des choses à la fois à Glotch, je sais pas trop quoi. Attends, je veux juste voir sa map. Glochachou. Tiens, on a l'autre forteresse encore, ta map. Ouais. Ok, c'est une forteresse, ok. C'est-à-dire, les petites affaires, je pensais que c'était des ennemis, mais non, c'est des forteresses après ça. Au début, on était, il y avait une forteresse, mais on était détruite, qui était quelque part là-dedans. Ensuite, on a eu la forteresse ici, qui nous rapproche de cette zone-là. Ensuite, on a cette forteresse-là, qui nous rapproche de notre but. Après ça, on va... Bah, par contre, faut vraiment que je découvre cette affaire-là. Après ça, on va aller dans la forteresse... qui est dans ce coin de ville-là. Ensuite, celle-là. Et ensuite, on pourra aller à Petroville. Du coup, ok, je croyais que c'était des affaires détruites. Finalement, le but, les amis, c'est que tu vas de forteresse à forteresse, mais bien sûr, pour les forteresses, faut que tu les améliores comme un ton. Comme elle, exemple, elle, je l'ai pas du tout amélioré. Quand épouvantable. Attends, non, pas ça. Ouais. Bah, j'ai pas amélioré projet de construction. T'as mis 500 livraisons de réserve. Ouais, ben ça ici c'est pour améliorer la base. C'est-à-dire, mettons, faudrait que j'améliore cette base-là. Ensuite, il y a des thèmes à améliorer ici aussi. Ça va être sûrement là-bas. Attends, je vais voir juste la prochaine base. Ici aussi. Et ici aussi. Ça veut dire à chaque fois, ça nous rapporte. Ça nous rapproche de notre but ultime du mode histoire. Bah, you, je vais la souder. C'est pas que cette forteresse là, je la connais pas. Du coup, y'a-tu des escaliers, y'a-tu quoi? Le problème, c'est que ma voiture est là, je comprends. Parce que ça, c'est un vieux bateau, genre, si vous voulez savoir. Mais, ouais, c'est ça. Aussi, il y aura du. Aussi, pour ceux qui le savent pas, cette vidéo là, je vais la sortir un peu avant. Sur la chaîne, et bientôt, il va y avoir du 3 jeux. Qui va continuer, ben vous inquiétez pas, les séries que j'ai commencé, j'en ai beaucoup, je m'en souviens, j'ai du VR, j'ai du Mad Max, j'ai du L'Ombre de la Guerre, j'ai du Deadpool, mais les prochains gameplays sur le jeu, ça va être le jeu qui sort le 20, quand je sortirai cette vidéo, j'aurai déjà le jeu,
où j'aurais déjà tourné une de vidéo. Ce sera le jeu de pirate tant entendu sur Xbox One et sur Windows 10. C'est Sea of Thieves, le jeu de pirate qui est annoncé sur la Xbox. Et il y aura aussi du gameplay sur Burnout Paradise remasterisé. Bien sûr, il y aura aussi une série. Jeu de pirate, je sais pas si je vais en faire beaucoup parce que à date j'ai plusieurs séries que faut que je termine comme Deadpool, Dragon Ball. Je sais pas si je vais vous le faire par contre, je sais pas. Peut-être plus tard, mais j'ai beaucoup de séries que faut que je finisse. Du coup, moi je finis ici. J'aime mieux commencer puis finir des séries avant de commencer, non. Du coup, il y aura plusieurs séries, mais les gameplays qu'il y aura, bien sûr, c'est le jeu de pirate, si je peux. Il y aura le jeu de Burnout Paradise. Et le jeu qu'il y aura aussi, c'est du Far Cry 5. Mais qu'est-ce qu'il y aura de plus, c'est, je pourrais vous faire, c'est Burnout puis Far Cry 5 surtout. Du coup, il y aura aussi du Deadpool. Vous inquiétez pas, il y aura du Deadpool aussi. C'est même pas du tout. Hop là, merde. Que genre, cette forteresse, je la connais pas, merde. C'est une nouvelle forteresse. C'est où la sortie hein? C'est par là. Je vais aller par là. Je sais pas si ça mène à un même endroit. Ah, ben on va aussi récupérer ça. Des lieux historiques. Ah, une belle moto. Hein. Et aussi pillé. Mettez une pièce de ferraille. Je vais ramasser les pièces de ferraille aussi. Mais par contre, faut vraiment que je sache où ça va. Là, il y a aussi des pièces de ferraille en bas, merde. Mais en même temps, faut que tu construis aussi les mêmes affaires ou quasi. Sauf, lui, c'est différent. Genre, il y a des réservoirs d'eau. Attends, je vais vous dire qu'il y a. Réservoir d'eau, il y a une armurerie, il y a des puits de pétrole, il y a des chargeurs, il y a des éclaireurs. Non, ça c'est à construire. Puis il y a des élevages d'asticots. Du coup, je sais pas c'est quoi. J'ai vu une grosse patente comme ça. C'est une table. Non, c'est une armurerie. Là-bas, je sais pas c'est quoi. Ici, je sais pas si on peut sauter. Ça, c'est une table. Non, éclaireur. Là. Ici, je pense qu'il y a la psycho. Ouais, non, plus de pétrole. Well, then, why? Tu files la soudée. Bah, au moins, on a trouvé qu'est-ce qu'on voulait. Ça, c'est quoi? Nettoyeur. Nettoyeur de pièces. Ici, ça sert à quoi, juste? Élevage d'asticots. Ah, c'est là l'élevage d'asticots. Ça sert à quoi? Réserve d'eau. Ah! C'est fun! Si t'as plus de vie. Explorer à 100%, c'est bon. Ça, c'est les petites réserves. Du coup, on va faire ce qu'on disait. Je suis un bout d'histoire. Faut faire une mission pour convaincre. Lui de nous faire confiance pour avoir plus de réputation envers lui. Du coup, je le ferai pas. Faut détruire un camp, il paraît. Du coup, on va découvrir une montgolfière pour détruire un territoire. Et ensuite, on va faire la mission niveau 2. Ben, difficulté niveau 2 du camp, sur le camp de Jake que faudra retourner, mais c'est pas. En fait, je pense que je vais découvrir les deux montgolfières. Je vais juste voir l'autre est où. Ouais, on verra. Ah, maintenant on a trois barres de nitro. Du coup, on est rendu au point. On va essayer d'exploser la porte. Lancer. Ouais, ça marche. Du coup, faut juste jouer à pas me faire taper. Ferraille. Ah, il y a une relique d'historique.
Ça, c'est le fun, les... Oh, merde. Les reliques historiques. They had something, but now it's gone. Bah, 100% des jours. It's gone no matter how much they loved or hated or bigoted. Y'a personne dans cette affaire-là. Ce serait vraiment bizarre. Bah si, y'a pas loin du monde. Ça m'étonnerait. Trouver un port devant le port d'observation. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Trouver un affaire pour actionner une treuille. Ah ok, faut que je trouve de quoi pour actionner une treuille. Pose d'observation. Ah ouais, c'est pas comme aujourd'hui là. Faut que je réussisse à trouver un treuil pour descendre cette affaire là. Ah ouais. C'est pour ça qu'il y a pas d'ennemis. Bah y a pas de quoi ici là, quelque chose. Je trouve un poste d'observation pour remonter ce truc là. Interagir. Faire le plein d'hydrogène. Ok, ça prend de l'essence. J'ai une chance de nez dans mon char. Parce que je pense que ça l'aurait pas fait. Une chance d'hydrogène, je pense que c'est l'essence. Du coup, faut que je ramasse l'essence. Maintenir, prendre le Jaikan. Ouais. Le Jaikan, c'est un peu l'essence dans le truc. Du coup, il n'y a pas d'essence, faut le remplir. Mais de toute façon, mon véhicule, il est plein d'essence. Au pire, s'il y a une autre base, j'ai piqué de l'essence. Ou dans une des bases qu'on a pillées. Attends, je veux juste voir si on peut voir la base qu'on a pillée, là. Dernièrement. Il y en a une qui part. Je sais pas si on le voit. C'est elle? Ouais, c'est celui-là. Celui-là que j'ai pas trouvé le dernier emblème. Maintenir et lâcher. Faire le plein. Je sais pas si ça prend toute l'essence, mais... Au moins, ça marche. Ouais. On a réussi, les amis. Yeah. C'est compliqué, hein. C'est un peu de l'énigme aussi, en même temps. Il y a des gens qui mangent les montgolfières tout en haut, mais il ne fait pas redescendre. Je vais vous raconter l'histoire de cette montgolfière. Je l'ai inventée. C'est l'histoire d'un mec qui voulait regarder les apparats parce qu'il y avait, je pense, il pensait qu'il y avait des ennemis. Puis il s'est fait sniper et du coup la montgolfière est restée là. moi, ça me fait penser à ça dans l'histoire. Forteresse de village, ouais. Épouvantail de ferraille. Épouvantail. 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 Camp de transit. Les camps de transfert occupant une position. Pompage. Avant de cheminer vers Petroville. Ah, c'est ça! Faut que je détruise! Ah, ok. Faut que je détruise ce camp-là pour faire ma confiance, mais lui, la différence, c'est qu'il est difficulté 3. Tu peux aller jusqu'à 5, mais... Ok, c'est ça. T'as zoomé? Non. Ouais, pour faire confiance à l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle, là, faut détruire ça. Mais on se le fera pas, parce qu'il est niveau 4, 3, un niveau plus. Mais déjà, je vais faire un autre camp, du coup... On se le fera pour une prochaine vidéo, les amis. Du coup, je vais me rendre à l'autre montgolfière, vous la ferez pas. Mais ensuite, le bout que vous allez voir, c'est l'autre camp que je voulais détruire, qu'on s'avait dit dans la fin de la dernière vidéo. Du coup, on se dit au prochain camp. Mais pas celui-ci. Du coup, les amis, on est dans le fameux endroit que je vous parlais. Ah bah ça m'a...
Oh merde. Aïe. Oh, c'était beau ça, par contre. Par contre, en termes de vie, il n'y a plus d'eau, puis ça va être... À boire, terminé. Genre, il y a d'autres ennemis, puis... j'ai presque plus de vie. Du coup, ça va être un peu chaud. Du coup, ça, je peux vous préciser, ça va être chaud, les amis. Oh, moi, lui, il y a juste deux emblèmes à détruire. On va recommencer la ferraille derrière nous. Ah, mais je là. Non, en vrai, c'est vraiment grand. Toujours, j'ai pas exploré la fa au complet, mais quand même. Salut. Le gars, il a pas compris. Ah merde. Ah ouais, attaque. Pour qui est le champion, c'est moi. Ah, j'ai fini déjà. Ah, c'est rapide. C'est vraiment rapide. Là, faut récupérer la ferraille. Là, vous filmerez pas la ferraille et tout. Mais c'est rapide. Me dit... Ah, mais c'est juste ça. Il fallait juste détruire 2-3 gars à l'entrée. Un ou deux gars au début. Et 3-4 au début. Mais je croyais que c'était plus simple. Mais je pense une base ennemie avec 5 niveau 5 difficulté, c'est plus tough. Parce qu'il va y avoir des ennemis plus tough comme là, mais c'était rapide. Du coup, je récupère tous les matériaux, je vous le filmerai pas comme la dernière fois. Et on se retrouve pour le mot de la fin. C'est ça. Du coup, on se retrouve après. Du coup, c'est déjà tout pour cette vidéo. On a attaqué deux bases. Ben, en fait,
pas vraiment. On a eu une nouvelle forteresse et on a attaqué une base. C'est quand même bien. Du coup, on a attaqué une forteresse et on a eu une nouvelle forteresse et une base. Et ben, une base ennemie, il va rester à attaquer la L de 4, niveau 4 difficulté. Du coup, ouais, c'est ça. Du coup, on a fait deux activités, dont une base. Ça veut que ça conclut bien une bonne vidéo. Du coup, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si le cas, mets un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et aussi, oublie pas de mettre la petite clochette en notif de tes proches pour être en affût de mes prochaines vidéos qui vont sortir sur ma chaîne. Du coup, aussi, partagez-la à vos amis, à vos potes, sur Facebook, sur Twitter, sur n'importe quel. Du coup, partagez-la à vos amis, à vos potes, à qui vous voulez. Ah merde! Partagez-la à vos amis. Sinon, pour les nouveaux, je fais du gameplay sur PS3, PS4, Xbox One et Switch. Et bienvenue à vous, bienvenue à vous. Et en description, il y aura la chaîne de Noiben Gaming comme d'hab. Ah bah lui, il a perdu une roue. Là, vous riez moins là. Je pense qu'on va aller, va aller au manoir du cheat. Du coup, bienvenue au nouveau. Sinon, en description, comme d'habitude, comme je disais, il y aura la chaîne de Noiben Gaming et quelques liens en description. Et ça, il y aura aussi mon adresse courriel si vous voulez m'écrire en privé. Ainsi que mon Twitter pour être à l'affût de mes prochaines vidéos, mes prochaines annonces ou live. Et aussi, il y aura ma page dédiée à ma chaîne, ma page Facebook dédiée à ma chaîne qui s'appelle Le Flingueur. Du coup, allez voir, le lien sera en description. Il y aura peut-être aussi mon Discord. Désolé, il y a des amis qui m'attachent de tantôt. Et t'as vu comment je l'ai. Tiens, toi, arrête de m'attaquer. Ça, il y aura peut-être mon Discord. Du coup, c'est ça. Du coup, j'espère que tu aimes cette vidéo. Il y aura aussi du gameplay consécutif. Il va y avoir continuellement les séries comme Deadpool, les séries que j'ai mangé comme L'Ombre de la Guerre, ainsi que Mad Max. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai aussi à rentrer quand même. Ainsi que Mad Max, L'Ombre de la Guerre, Deadpool. Bientôt, quand je tourne cette vidéo, il y aura aussi le gameplay de des nouveaux jeux que je vais avoir. Dragon Ball, je sais pas, je pense pas je vais le faire. Sinon, il va avoir le jeu de pirate sur la Xbox 360 One. Il est aussi disponible sur Xbox One et sortira le 20 mars. Les jeux qui sortent le 20 mars, pour vous savoir, c'est un jeu là avec Spyro, avec je m'en rappelle plus, il y a un jeu qui sort le 20 mars. Il y a aussi le jeu Flavortin, c'est le jeu de je prononce mal mais bon. C'est le jeu de pirate que je vous parle sur la Xbox One ainsi que sur Windows 10 sur PC. Ça, il y aura du gameplay. Il y aura aussi du gameplay sur le jeu Burnout Paradise remasterisé. Et ainsi que Far Cry 5 après. Du coup, je vous annonce ça là. Comme ça, vous pourrez voir ces autres jeux. Les vidéos continueront du Mad Max. Il y aura du VR aussi. Il y aura des nouveaux gameplays, les gameplays que j'ai commencé. Du coup, vous tapez pas plus. Du coup, il y aura beaucoup de gameplay. Vous inquiétez pas. Au mois de mars, au mois d'avril, il va y avoir d'autres jeux, dont le jeu pour les petits et les grands qui s'appelle Nintendo Labo. Du coup, je vais acheter les deux kits, le premier et le robot. Je vais me filmer en même temps. Je fais peut-être un live dessus pour vous montrer. Mais du coup, je vous tarde pas plus. Du coup, c'est tout pour cette vidéo.
C'était le Flingueur. Ciao, ciao. Et vive les jeux vidéo.